Internet, Antonio Soare fait une sortie qui s'apparente à une immixtion de manière à influencer les conclusions du rapport avant son envoi à l'instance internationale du football, FIFA. Je vous propose de suivre cette vidéo. Chez nous, en Afrique, c'est très compliqué. Vous n'êtes pas que des gens aient des problèmes sur mon nom. Ça retarde votre travail, mais je suis prêt à payer une semaine pour qu'ils aient le temps vraiment de se défendre avant que vous nous renvoyiez à la FIFA. Donc, ils ont dit, ah, et dit, normalement, nous, on n'accepte pas ça. Ils disent, c'est seulement en Guinée, on a vu ça. C'est 72 heures, si vous ne donnez pas, c'est obligé de faire appel à leur chef. Il dit pourquoi? J'ai dit parce qu'on a trop de choses, les gens n'ont pas eu le temps. Pendant le week-end, tant, et lundi, ils doivent rentrer, ça me crée des problèmes. On le dit le soir à 18 h. C'est le vendredi aujourd'hui, jusqu'à l'autre vendredi à 18 h, alors qu'ils devaient rendre. Aujourd'hui, on doit rendre le rapport à 18 h, s'il vous plaît. Il dit oui, c'est prêt. J'ai dit bon, donc, amenez. Ils sont venus, on m'a donné le rapport. J'ai dit, si ce jour-là, je me suis. Il me disait ce point, ce point, ce point. Je sais qu'il était avec nous dans nos élections. J'aurais vu les auditeurs, ils auraient écrit autrement. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Ou bien, j'aurais préféré payer encore un mois pour qu'ils reprennent. Je vous dis en toute honnêteté. Oui, ça, c'est vrai.